Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shisa Gaming. Aujourd'hui, nous allons parler de Mona, qui est délaissée par la communauté alors qu'elle a un très grand potentiel. Cet élément hydro catalyse 5 étoiles fait partie des éléments 5 étoiles support qui sont souvent délaissés, à contrario des 4 étoiles qui sont souvent beaucoup utilisés. En premier, nous allons faire un zoom sur son kit, puis nous parlerons des éléments avec lesquels elle interagit le mieux, dont le pyro avec vaporation. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur Ganyu et la meilleure équipe qui lui serait assignée, la team Morgana. Je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas vue. N'hésite pas à t'abonner bientôt, c'est l'objectif. Je sais que ce n'est pas grand chose, mais pour moi ça représente beaucoup. Ça va récompenser mon travail autour de ce jeu que j'affectionne énormément. Ce nouveau format de réaction, j'espère qu'il te plaira. N'hésite pas à le marquer en commentaire, tes impressions là-dessus et même des réactions que tu pourrais connaître. Un petit like et sur ce, c'est parti. Mona, c'est qui? Ben, c'est un élément hydro-cataliste 5 étoiles, un peu laissé de côté. Elle est principalement utilisée en tant que sub DPS parce qu'elle peut être très puissante ou en tant que support. Elle fonctionne donc avec des catalystes. Moi, j'utilise le mouvement vagabond. Sinon, si vous n'avez pas ce dernier, je vous recommande de prendre soit le codex de Favonus, soit les deux 5 étoiles font l'affaire aussi pour l'expérience qu'on va faire aujourd'hui. Niveau des artefacts, soit vous la buildez en 4-7 noblesse, soit si vous êtes en full support, soit si vous êtes en 7 DPS, 2-7 noblesse et 2 gladiateurs ou le 7 pour Yuyomi, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le Shinigawa, si je ne me trompe pas. Voilà, pour monter son attaque. Ou alors le 7 de l'âme des profondeurs qui apporte de l'attaque hydro, enfin des dégâts hydro. Ces constellations sont assez intéressantes. La première, en l'occurrence, ça augmente en fait les dégâts liés à la réaction hydro pendant 8 secondes. Et on voit que l'électrocution, l'évaporation qu'on va travailler aujourd'hui et la dispersion sont de 15%. Le gel, quant à lui, augmente de 15% au niveau de sa durée. Cette constellation est relativement bonne. La constellation 2, c'est quand on fait des attaques avec Mona, il y a 20% de chance que ça soit suivi d'une attaque chargée, donc elle n'est pas à charger du tout. Ça peut être très intéressant, un ratio sur 5 c'est peut-être un petit peu faible, mais on prend, et ça peut arriver toutes les 5 secondes. Donc c'est pour faire du DPS clairement. Et ici, la voix divine, c'est son Q qui passe en premier à la troisième constellation, ça on aime parce que c'est celui qui nous intéresse là. Je ne l'ai pas, mais j'espère un jour pouvoir la monter au moins à ce niveau-là. Et la prophétie de la fin, c'est 15% de taux critique rajouté à tous les personnages quand les ennemis sous un présage. On va voir par la suite ce que c'est un présage. La constellation 5, c'est la, pour monter son E. Et la 6, en fait, lorsque vous êtes en train de faire des dashs, toutes les secondes, Mona prend 60% de dégâts sur sa prochaine attaque chargée. Cumulable 3 fois, jusqu'à 180% de dégâts en plus, et ça dure 8 secondes. Donc je pense qu'on dash, ça fait une charge, deux charges, trois charges, on est à 180%. Et les 8 secondes sont réinitialisées au dernier, donc on a 8 secondes pour faire une attaque chargée. C'est puissant. Mais arriver à la constellation 6, ça va être un peu compliqué. Ses aptitudes, attaque normale, le mirage aqueux, c'est clairement en fait un leurre. Les monstres vont essayer de l'attaquer, ça va éclabousser, et à la troisième fois, ça va exploser en faisant des dégâts hydro, et ça va rapporter des énergies à Mona. C'est principalement son seul moyen quand vous êtes en sub DPS de faire des... retour d'énergie, donc faites beaucoup ça, ainsi que les attaques chargées. Et si vous avez le codex de Favonus par exemple, les attaques chargées peuvent proc des tuto crit, donc c'est là que vous ramasserez le plus et allez vite charger son ulti. La vicissitude, c'est lorsqu'elle dash, donc elle trempe les ennemis lorsqu'elle sort. Ça peut être intéressant sur les ennemis de feu comme la grande plante, le Regis Vine, comme ils disent en anglais, qui a besoin d'être trempé pour que son œil se casse. Et la voix divine, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son Q, c'est ce qui apporte énormément de bonnes choses dans le kit de Mona. Lorsqu'en fait elle va l'utiliser, elle va pas faire de dégâts, pas à proprement parler. Elle va tremper les ennemis et elle va les mettre en état de bulle, emprisonnés dedans. Pour les plus faibles, hein, les gros boss, ils vont pas être embullés. Lorsque les ennemis sont sous la bulle, ils ont un présage aussi qui est posé dessus, qui va augmenter les dégâts qu'ils vont recevoir. Cette bulle, il faut faire attention parce que lorsqu'on va taper l'ennemi avec une attaque physique ou élémentale, ça va l'éclater faisant des gros dégâts. On voit que moi, mon niveau 8, je suis à 708 de dégâts. C'est exponentiel et ça fait très très mal. La durée du présage, c'est 5 secondes et le temps de recharge, c'est 15 secondes. Et on voit que la durée de la bulle, c'est... La bulle, c'est où? C'est 8 secondes. Donc quand on va faire notre petite technique après, il va falloir se dépêcher.
Ici, en vicitude, si on reste trop longtemps dessous, ça va poser un leurre, on s'en fiche un peu. Les bonus de dégâts, quand on est, on a ce passif qui est activé de 20% hydro, on prend. Ah, c'est 20% par rapport à sa recharge d'énergie, donc il ne faut pas hésiter à en mettre un petit peu. Moi, j'ai 120%, mais je pense que si j'arrive à avoir de très bons artefacts, ça peut être sympa. Et ça, c'est lorsqu'on fait de craft de matière première. On s'en fiche un peu. Du coup, Wana, elle a 1767 d'attaque chez moi. Maîtrise élémentaire, oui, rigolez bien, j'ai 0. J'ai 0, donc pour faire des évaporations, c'est pas forcément la meilleure des choses. Je me demande d'ailleurs si ça va pas annuler les dégâts. Faisons un petit focus sur les élémentales réactions. Et merci à Paimon Pro pour le partage de cette image. Si on regarde ici, on en a 9 qui sont référencés pour l'instant. L'élément d'endroit arrivant, il y en aura un petit peu plus, je crois 4 en plus. Mais pour l'instant, on va partir sur ça. On a dispersion, crystallize, surcharge, supraconduction, électrocution, fonte, vaporize, gel et burning. Donc quand il crame, quand les personnages d'endro crament, là, vous savez, les blobs ou les mages. On va se focus sur la partie de droite et principalement sur Melt et Vaporize. Ce sont les deux réactions qui ont le plus gros multiplicateur de dégâts. Et encore, il faut bien bien faire attention à comment on va appliquer les éléments dessus. Par exemple, quand vous avez un élément, par exemple Pyro, et que vous appliquez dessus le Cryo, vous allez avoir donc Fonte qui va être castée. Et comme c'est l'élément Cryo qui a généré Fonte, ça va être des dégâts Cryo qui vont être générer aussi, et derrière ça va être un multiplicateur de 1,5. Par contre, si vous faites l'inverse, que vous appliquez Cryo et que c'est Pyro qui vient générer la réaction, dans ce cas là les dégâts seront Pyro et multipliés par 2, pas 1,5. Donc vous voyez que pour faire de la fonte, il est plus intéressant de faire Cryo puis Pyro plutôt que Pyro et Cryo. Les multiplicateurs ne sont pas les mêmes. Qu'en est-il de Vaporize? Bon, Vaporize, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, et on peut voir que quand on applique Pyro et qu'on met de l'hydro dessus, les dégâts de Vaporize, donc de la vaporisation, vont être hydro, et ils vont être multipliés par 2. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui avec Mona, puisque c'est elle qui va trigger le Vaporize. Si vous faites l'inverse, c'est 1,5, donc faites attention. Je laisserai en fait le lien de cette image dans la description, n'hésitez pas à la regarder. Revenons à nos moutons. Pour faire la démonstration des dégâts, je vais retirer en fait mon casque et donc du coup aussi, hop et hop, je pense que là j'ai plus rien du tout, c'était ces deux là qui m'a mené mon tocrit, voilà, tocrit de 12%. Voyons voir l'évaporation avec des dégâts simples. 487, 487, 487, 3500, là il a le feu. 1700 en évaporation contre 487 en dégâts hydro normaux. Maintenant, attaque de base, 1981 d'attaque normale, 1415 en évaporation pyro. On voit que les dégâts sont assez intéressants. Quand on va faire son merveilleux voyage, on va voir comment ça fonctionne. Sur Hard Mona actuellement, Mona, sachez que j'ai pris le codex de Favonius pour éviter d'avoir du dégât crit et tout ça. Et pour éviter de casser les chiffres. Elle a 1216 d'attaque. Elle a 2216 d'attaque. D'accord, avec le buff de Bennett. Sans avoir la plus meilleure arme qui est le faucon qui monte à plus de 600 d'attaque de base, donc qui booste littéralement encore plus les dégâts. Et sans avoir des artefacts de fifou non plus. Afin d'avoir un peu plus de buff encore, on va prendre un second personnage pyro. Afin de faire la résonance pyro qui va nous apporter les 25% d'attaque. Je n'ai pas besoin de prendre un personnage méga important. Voilà, un bar ça ira, et du coup maintenant je suis plus à 1207 mais je suis à 1410. Et donc avec l'ulti de Bennett, je monte à 2411. Voyons voir maintenant les dégâts avec la résonance pyro sans Bennett. Ok, on n'est pas trop mal.
Je vais couper la vidéo en deux parce qu'elle va être extrêmement longue. Donc ça c'est la première partie, la seconde va sortir sûrement ce soir ou demain. En attendant, je vous dis à très vite et abonnez-vous. Tchou!